Donc, je me présente, je suis Shamila Afedji. Je suis créatrice de bijoux à base de raffia de Madagascar et à la fois énergéticienne. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que j'aimerais vous parler d'Octobre Rose. Pourquoi Octobre Rose? Mais écoutez, c'est très très simple. Ça fait 2 ans que je participe à Octobre Rose de Plaisance du Touche. Et durant ces 2 dernières années, j'ai observé la marche, les animations, ce qu'on faisait à Octobre Rose. Par contre, c'est vrai que je ne suis pas allée jusqu'au bout de ce que ça représentait réellement, parce que souvent, on a toujours encore l'impression que parler du cancer du sein, c'est encore tabou. On a peur de rencontrer des gens, de les heurter sur certains mots, sur certains sujets. C'est quand même un sujet encore très délicat. Mais hier, j'ai assisté à une pièce de théâtre qui s'appelle Les Délieuses de langue. Et franchement, ça a été une belle découverte parce que j'ai appris quelque chose. J'ai appris à connaître les facteurs qui étaient liés à ce cancer. Notre hygiène de vie faisait partie. Si on pratiquait, comment dirais-je, une activité sportive, il y avait aussi le poids qui était concerné, la consommation du tabac, de l'alcool. Donc du coup, j'ai eu un déclic. Un déclic, pourquoi? Parce que c'est vrai que ça fait 2 ans que je suis en partenariat avec un homme merveilleux. C'est un poète que j'aimerais parler ici. Il s'appelle Alain Trémège. Alain Trémège, c'est qui? Bah, écoutez, je l'ai rencontré à tout hasard dans mes activités associatives sur Plaisance. Et Alain Trémège est un homme merveilleux parce qu'il écrit de super poèmes. Et moi, j'adore les beaux poèmes. Et franchement, j'aimerais vous faire découvrir ces poèmes parce que l'année dernière, on en a distribué dans le projet qu'on a mis en place ensemble. Alors, en quoi consiste ce projet? Donc, en fait, ce projet, ça consiste justement à offrir un bijou à base de raffia de Madagascar, parce que le raffia, c'est une fibre naturelle. C'est une fibre qui justement permet de tisser des liens. Donc, l'objectif, c'est de créer des bijoux. Et ce bijou-là, il est créé par mes soins, par mes propres petites mains. Par contre, elles sont crochetées, le raffia, elles proviennent de Madagascar avec un atelier de femmes avec qui je collabore depuis aujourd'hui 13 ans. C'est l'atelier Tsara Fibre. D'ailleurs, je fais un coucou à Bac et à toutes les filles, à Céline, qui a toujours été fidèle, que j'ai connue il y a 13 ans. Elle est top, que j'aimerais vraiment les faire venir en France un jour, vous faire découvrir. Bon, ça n'est pas le sujet. Donc, du coup, je parlais d'Alain Trémège, oui, de notre projet. Donc, Alain Trémège, dans ce partenariat, lui, dans sa partie, il offre des poèmes. C'est vrai que de nos jours, on a tendance à offrir, on pense au matériel. Quand on veut offrir quelque chose à quelqu'un, on pense à offrir un parfum, un cadeau, tel que, voilà, comment dirais-je? Il y en a plein, vous voyez. Tellement, pour moi, c'est pas le plus important que j'arrive même plus à citer les cadeaux matériels, en fait. C'est ça qui est marrant parce que moi, je suis plutôt, voilà. J'aime, voilà, offrir une belle pensée, une belle prière, de l'amour, un message bienveillant. Voilà. C'est ce qu'on veut faire à Alain Trémège et moi. On veut vous envoyer des messages positifs. Un poème qui vous en dit long. Si dans votre entourage, vous avez forcément même une amie, une épouse, une tante, une grand-mère, comment dirais-je, une marraine, une tata, qui a sûrement plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire plus. Donc, on a tous forcément quelqu'un comme ça dans notre entourage. Donc, ces poèmes, c'est des poèmes qui sont destinés justement à toutes ces personnes qui ont été concernées par le cancer du sein ou qui n'ont pas été concernées directement ou indirectement. Donc, c'est vraiment des poèmes à découvrir. Et donc, demain, à la marche d'Octobre Rose, organisée par le Centre Sésame en partenariat avec l'Institut national du cancer, qu'on appelle aujourd'hui le dépistage des cancers du sein, demain, rejoignez-nous à la marche d'Octobre Rose et vous allez découvrir notre projet. En fait, on va mettre en place un arbre où on mettrait des poèmes que vous piocherez à tout hasard. Vous voyez, j'aime bien ça, le hasard mélange les cartes, le destin les distribue et c'est bien nous qui les jouons. Et bien voilà, on va vous inciter à faire ce petit jeu avec nous. Vous allez piocher
ces petits poèmes d'Alain Trémège sur l'arbre. Et en fonction de ce que vous allez avoir, vous allez piocher dans une autre boîte où vous gagnerez un petit lot de bijoux que j'aurai créé par mes propres soins. Voilà, donc l'idée, c'est d'envoyer un message positif, un message d'amour, un message de bienveillance, de solidarité et surtout, 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 sensibiliser sur le dépistage du cancer du sein. Faites-le, faites-le, je vous en supplie, faites-le. C'est pas un temps perdu, faites-le. Et même moi, franchement, hier, avec la pièce de théâtre que j'ai vue avec les délieuses des langues, excusez-moi, je me suis écorché un petit peu le titre. Franchement, je me suis dit, waouh. Il faut vraiment que j'en parle aujourd'hui, c'est très très important et il fallait que je vous parle de ce projet. Donc voilà, par contre j'ai oublié quelque chose. Si parmi vous, vous connaissez quelqu'un ou si vous-même, vous connaissez quelqu'un ou si vous-même, vous pouvez m'aider pour pouvoir publier le recueil de poèmes d'Alain Trémège qui a plus de 60 ans. N'hésitez pas de me contacter en MP. J'aimerais vraiment que vous connaissiez ces poèmes. Donc, à partir d'aujourd'hui... Non, mais je me fais la promesse. À partir de demain, je publierai un poème par jour d'Alain Trémège. Donc, si vous vous sentez concerné, si vous avez dans votre entourage une infirmière, une maman, une papa... une maman, un papa. Une maman, un papa, un époux, des amis. Vous sentez concerné à travers les poèmes d'Alain Trémège. Je vous en supplie, n'hésitez pas de partager ces poèmes tout au long de ce mois d'octobre rose. Voilà, je vous souhaite un bon mois et je vous fais plein de bisous et on compte sur votre soutien et on vous retrouve demain le 5 octobre 2019 à Plaisance-du-Touche à la marche d'octobre rose. Je vous fais des gros bisous, à bientôt. Et je vous présenterai en direct demain si vous vraiment vous promettez de venir nous voir. Je vous présenterai en direct Alain Trémège. Voilà, à bientôt.